Eh bien bonjour, je suis Valérie Mas, je suis la cofondatrice de WeNow. J'ai fondé WeNow avec Fabien Carimalo. On est deux anciens collaborateurs de grands de l'énergie. Fabien a passé 11 ans chez Engie, j'ai passé 15 ans chez Total. Et pour ma part, j'ai une fonction et une expérience beaucoup plus business, marketing et communication. Et Fabien est beaucoup plus finance, R&D, production. Alors, WeNow, c'est un service qu'on apporte aux flottes d'entreprises pour les aider à réduire leur empreinte carbone de manière simple, pragmatique et rentable. Donc, l'idée, c'est que les flottes de véhicules émettent du CO2, donc contribuent au réchauffement climatique. Il y a de plus en plus de taxes, de réglementations pour essayer de trouver des formes de mobilité durable. Le secteur du transport, c'est le seul qui n'a pas réussi à réduire ses émissions de CO2. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple pour une entreprise de changer totalement ses véhicules. Donc nous, ce qu'on leur apporte, c'est un petit dongle connecté qui va permettre à chaque conducteur de réduire, d'être coaché et de réduire sa consommation de carburant, donc d'être coaché à l'éco-conduite, d'être motivé à le faire sur la durée puisqu'on va organiser des challenges et de la motivation autour de ça. Et in fine, on va mesurer aussi les émissions de CO2 qui restent. Donc on va réduire de 15% la consommation, donc c'est à peu près la même chose sur les émissions de CO2. Et on va mesurer les émissions qui restent et on va proposer de financer des projets qui vont absorber la même quantité de CO2 pour aller jusqu'à la neutralité carbone de la flotte. Et tout ça de manière rentable pour l'entreprise. Alors oui, Allianz peut nous apporter effectivement de la visibilité, peut nous apporter de l'aide à l'export pour conquérir de nouveaux pays, peut nous apporter aussi des idées peut-être qu'on n'aurait pas eues pour compléter notre offre de manière positive. Et puis aujourd'hui, on était dans l'accélérateur avec des conseils hyper pratico-pratiques de comment on est encore plus efficace au quotidien, comment on réfléchit à 5 ans, etc. Alors Allianz, c'est un grand groupe français avec une flotte de véhicules relativement remarquable. Donc c'est déjà ne serait-ce que pour la flotte de véhicules d'Allianz. Allianz est un acteur de la mobilité qui propose des solutions aux particuliers et aux entreprises. Et on pense que notre offre peut intégrer de manière intéressante la proposition de valeur d'Allianz pour réduire l'impact de la mobilité, puisqu'on va tous travailler à réduire cet impact. Et puis on a une coloration aussi sécurité, puisque dans le comportement, on est capable d'analyser aussi le comportement responsable ou pas d'un point de vue sécuritaire du collaborateur ou du conducteur. Et donc arriver à mobiliser chacun sur sa conduite au quotidien, puisqu'en fait, à chaque fois, c'est un choix. Quand on reprend sa voiture de conduire d'une manière ou d'une autre manière, ça a de la valeur. Voilà. Donc, on pense qu'on peut construire éventuellement quelque chose ensemble également pour les clients d'Allianz. Alors, à très court terme, l'idée, c'est de recruter. De recruter une team, notamment d'un point de vue sales et d'un point de vue IT. À moyen terme et à long terme, c'est de croître d'abord en France, en industrialisant notre process de vente pour toucher le maximum d'entreprises, le maximum peut-être demain de particuliers, de croître en Europe, puis de croître sur le marché américain, notamment Canada et États-Unis. Notre but, nous sommes une société qui a été labellisée B Corp, c'est-à-dire Benefit Corporation, c'est un label américain qui met la mission environnementale au cœur de nos statuts, au même titre finalement qu'une mission d'entreprise classique. Notre mission, c'est l'impact. C'est réduire l'impact des entreprises et des citoyens sur le climat. Donc voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire en proposant des solutions qui soient les plus simples, pragmatiques et qui s'inscrivent dans le quotidien de chacun pour permettre justement ce changement.